Salam alaikum. Nous allons voir ce qu'on appelle le refactoring. Alors, c'est quoi refactoring? Pour l'instant, on a la liste des articles, on a un fichier ou un article, on fait la recherche, tout va bien. Mais à un moment donné, le code, sérieusement, il est halota. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le refactorer, c'est-à-dire, on va le, disons, bien organiser. Alors, pour refactoring, on va web.php. En fait, web.php qu'on a utilisé au page contrôleur, ok. Sérieusement, page contrôleur, j'ai pas trop aimé, ok. Alors, où je vais faire? Au lieu de page contrôleur, en fait, j'ai créé déjà la dernière fois quoi? Article contrôleur. Donc, une copie a dit article contrôleur. Là, il y a fait about, on fait la page contrôleur, mais l'article non. Là, article index, article slug affiché les éléments. Là, le slug, je préfère utiliser la fonction show et non pas show article parce que donc on fait article show. Alors head index show etc. En fait, mais ce n'est pas comme ça. En fait, dans Laravel, il y a ce qu'on appelle ressources. Alors c'est quoi une ressource? Tu vas me dire articles. On peut le dire articles, articles controller. C'est quoi head line? Alors, qui nous la liste d'Yali, liste route, la liste des routes, bon, il y a une erreur quelque part. Article sans S. Nous la liste. Très bien. Alors, nous avons articles. Alors, Hedik la ligne, Bark. La seule ligne, il dit à les ressources articles, elle m'a généré 7 routes. C'est bon. Alors, la première, c'est quoi? C'est la méthode get articles. Le name d'Yalha, j'ai pas mis de name, mais automatiquement, Laravel, il a mis un name. C'est articles index. Hadi, hadi, la route hadi, c'est afficher la liste d'un élément. Par exemple, le cas, un article, la liste des articles. Lorsque j'envoie post vers articles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la fonction store. Ça veut dire quoi, store? C'est pour enregistrer dans la base de données. Ensuite, on dit get articles create. Head la route. En fait, elle affiche un formulaire pour création d'articles. On va dire qu'il head la route. Très bien. On dit get articles slash article. Alors, c'est quoi ça? C'est pour afficher un article. On va dire put, c'est pour modifier un article. Delete, c'est pour supprimer un article. Et on va, à la fin, c'est pour éditer un article. Dans le cas où il ne s'agit pas, on peut par exemple s'agir juste, qui m'a fait le cas de pour l'instant, only index, on s'agit index et show. Je sauvegarde, et voilà. J'aurai juste index et show. OK? Bon, dans le cas de je vais laisser tout. On supprime les bon, on a fait l'index, OK. On a fait slug, OK. On a copié, donc on a fait article contrôleur. Alors, article contrôleur, il a remarqué tout déjà. Il m'a créé index, create, store, show, edit, update et destroy. Les 7 routes. OK? Donc, nous allons à l'index. Index, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, on a déjà fait page contrôleur. L'index, c'était ça. Donc, on a fait ça. Coller là, on supprime l'index parce que j'ai plus besoin. About, on va aller about. Show article, c'est ça. Donc, on a fait هذه الا نروح للشو الوغ تبعوا معايا هنا شو هنا ارتيكل جاب لي ديجا ارتيكل حنا كنا نخدموا هنا باش بسلوغ صح الوغ هذه تلقاوها في لو شابيت راوتينغ رقابك نروحوا له دونك راوتينغ بازيك راوتينغ كاين موديل فوالا موديل راوت موديل بايندينغ كي نجي لهنا اوتوماتيكمون لو كان نقول له يوزر دقيقة نديرو حاجة واحدة أخرى نموديفي وبرك هادي فوالا ألوغ نقول له أنا لا كلي بريمير ديالي بون أون فا تيستي ديجا كيك شوز جوست أفون أرتيكل بور لانستون جو في جوست ريتورن أرتيكل قبل هادي هادي سي تاع لا دارنيير فوا جو ريتورن أن أرتيكل ألوغ لا روت هادي سي نروحو ليست filtré articles donc pour afficher un article c'est le show show in rahe hadi hiya show c'est articles slash an id alors on va le site d'ali
Donc, c'est articles slash NID. Et voilà, par exemple, slash 1, automatiquement, il y a tenu quoi? Le 1. Slash 2, d'afficher l'article numéro 2. Donc, qui fait Sharaf? Avec une seule ligne. Qui fait Sharaf? Je cherche avec l'article. En fait, derrière, Laravel, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit quoi? Un ID. Automatiquement, il va faire ça. Article, c'est article find or file dollar ID. Par exemple, l'ID, le Rahul Fouca. Ça, c'est select étoile from articles where ID est égal à 1, limite 1. C'est-à-dire, Rahil Ka Wahed. OK? C'est ça, head la requête. Mais même Hadi avant qu'on ait des requêtes, on n'a plus besoin. Il suffit juste de mettre direct, récupérer ou récupérer l'article. Alors, mais le KTI, je ne travaille pas avec quoi? Avec les articles. Je travaille avec les ID. Je travaille avec le slug. Alors, qui fait un dire slug? Donc, on a fait le head chapitre, customing the key name. Donc, il suffit juste de copier cette fonction pour l'article. Le modèle dialecte, article. Donc, on le voit là. Get root key name, c'est le slug. Bon, on a déjà utilisé un slug. Donc, fil KTI, pas la peine de faire d'utiliser cette ligne. Vous voulez juste une seule ligne. Je récupère l'article et je le passe vers la vue. J'actualise la page. Alors, pour m'actualiser la page, j'ai dit, marche, t'imchi. Parce qu'il y a une autre forme. Parce qu'on a une autre forme. Parce qu'on a slug. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, je vais vous dire, root page show not defined. صح, parce que là, c'est pas show. Article contrôleur index. Alors, c'est quoi ça? Index. C'est quoi l'erreur? La root, oui. Alors, la root, c'est dans index.blade.php. Donc, on aura index.blade.php. La root, c'est pas page show article, mais plutôt quoi? Articles.show. J'actualise la page et voilà. Je vous voulais à la je là. Articles slash le slug. Direct. Ou derrière, combien de lignes? Une seule. T'affiches les gars. Maintenant, à un moment donné, vous voulez commenter sur le code source direct. Une ligne, je commente ici. Ben. Voilà. Très bien. Donc, l'index, elle marche bien. Le show, elle marche bien. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle ressources. OK? J'arrête ça.